Et bonjour à tous. Alors, aucune critique sur mes yeux. J'ai des gros problèmes de sommeil en ce moment. C'est une histoire compliquée. Vous verrez bientôt ceux qui attendent la maison le 20 mai. Alors, il y a la chance de l'avoir le 20 mai, elle est aussi grande que ce qui se passe entre mes deux doigts. Et ça commence à me prendre un peu, vous savez, je sens qu'on est parti encore pour de longs mois d'attente. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Là, j'ai pas le courage d'en parler. Là, ça m'énerve un petit peu trop. Bon, du coup, on se retrouve pour faire une voiture. Donc, les mêmes calandres de merde. C'est trop chiant à calfeutrer ces voitures-là, franchement. Si vous avez les 307 et 308 de ces versions, des versions dans les années 2014, là, franchement, vous allez en chier. Je vous le dis tout de suite, vous allez en chier, mes puissances 10. Hein. Du coup, je vais vous montrer. Donc, elle est d'un rouge. Ce rouge Lucifer, c'est pas ça qu'on appelle ça? Enfin, il y a plusieurs. Il y en a, ils disent rouge flamme, d'autres rouge Lucifer. Mais comme vous voyez, il y a des éléments qui ont été refaits. Le pare-choc en bas qui a essayé de refaire au mieux. C'est une voiture qui a été accidentée quand il y a eu 50-50 et qu'il prenait je sais pas combien d'assurance. Il a dit c'est soit je revends la voiture pour pièces en sachant que l'intérieur est nickel. Vous allez voir, le mec qui prend soin de sa voiture, c'est un truc de malade mental. Sa voiture, elle a 143 000, elle est neuve. À l'intérieur, c'est simple, elle est neuve. Mais voilà, du coup, il était un peu écœuré parce qu'en plus de ça, il a dû changer la porte. On voit qu'il y a une différence de couleur. Ici, il y a eu un accrochage et on voit que bah, il y a des un gros truc de peau d'orange. On voit que la trappe n'est pas de la même couleur. Il m'a dit. Il est trop pointilleux sur certaines choses. Il a dit c'est soit j'en achète une autre qui est nickel. Il dit mais quand tu vois comment elle roule, parce que bon bah lui il est mécanicien, il travaille à Noroto et du coup comme il dit il a tout fait dessus. Il a tout fait en temps et en heure. Il fait une vidange tous les 6 mois donc il sait que la voiture en elle-même elle est nickel quoi. Du coup c'est vrai que niveau moteur il préférait la garder. Et du coup, son frère était venu faire sa Laguna 3 en full dip. Et quand il voulait s'en débarrasser, il a dit, mais purée, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse sur ma voiture. Et du coup, alors de base, il était parti sur un gris aluminium. Bon, je trouvais que le choix était. On reste encore sur son choix un peu spécial. Ouais, non, Même bah. lui ne sait même pas pourquoi il voulait son Alors, on lui choix. a dit, mais pourquoi toi qui aimes bien avoir des trucs qui soient. Enfin, vous voyez, là, c'est un beau rouge. C'est un beau rouge. Et pourquoi tu veux changer ton rouge et tout? Bah, parce qu'il dit, j'ai peur que qu'on voit à travers et tout. Et dit, le gris aluminium, il me paraissait bien, quoi. Parce que par rapport, j'avais fait un camion en gris aluminium. Et comme il y avait du mastic dessus, on voyait plus le mastic. Donc il s'est dit, je vais prendre le gris aluminium parce qu'il aimait bien. Et qu'il s'était sûr que ça allait recouvrir ces défauts-là. Mais je dis, mais t'inquiète pas, même si demain tu. Tu fais un rouge, il dit non, non, gris alu. En fait, le problème, c'est qu'il avait pas vu que j'avais plusieurs couleurs. Et il m'appelle quoi 3-4 jours après, j'avais déjà commandé son gris alu. Il me dit j'ai vu que t'avais du rouge cerise. Est-ce que tu peux le faire sur ma voiture? Je dis ouais, mais j'ai déjà commandé ton pot. J'étais même déjà. Je sais même pas si on l'avait même déjà reçu. Ouais, je crois qu'il me l'a dit, mais peut-être une semaine après. Bah, je dis écoute. Comme lui, il est venu il y a pas mal de temps. Je dis, si j'arrive à trouver quelqu'un pour le gris aluminium, je lui redonne ton gris aluminium et toi, je te fais le rouge cerise et je te le commande. Bon, bah, du coup, vous vous doutez bien que Le gris est le parti. gris est pris et que du coup, bah, je vais commander du rouge cerise. Donc, on va lui faire sa voiture en rouge cerise. Alors, oui, c'est une première pour vous. Vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne, vous allez voir que le rouge cerise, moi je l'ai déjà vu en vrai, c'est pareil, c'est franchement il est super beau. Et on comprend pas pourquoi on n'a pas fait plus tôt parce que franchement il est vraiment très très beau ce rouge. Surtout qu'on peut jouer avec les nuances en le rendant plus clair ou plus foncé. Et ça c'est pas mal, juste en rajoutant du noir et du blanc. Du coup voilà, donc là pareil, hein, c'est déjà, vous voyez, c'est. On n'arrive pas Ah mais c'est à parce que faire t'as fait un tenir. circle. Surtout qu'il. Bah, alors, d'habitude, on y arrive, mais là, il fait très très chaud. Et on a l'impression que les collants, ils s'enlèvent. Alors, sur, vous savez, les recoins comme ça, parce qu'en fait, il est tendu. Et du coup, il se décolle au bout d'un moment. Après, bon, c'est pas trop grave. C'est du full dip, ça va se retirer après. Mais bon, ça nous fait du travail en plus. On aurait préféré l'avoir du premier coup.
Mais là, alors en temps normal, ça s'en va pas, mais là, je vous dis, il fait quand même pas mal chaud en ce moment, et malheureusement, ça s'en va. Du coup, nous, on va commencer. Ouais, allez, c'est parti. Alors, j'aimerais tout particulièrement remercier la personne qui est venue faire cette voiture et son frère. Son frère, c'est celui qui avait fait la Laguna 3 en gris anthracite parce qu'ils m'ont offert ce t-shirt. Calvin Klein en plus, hein. Franchement. Alors, du coup, un grand merci. J'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé. Mais du coup, alors, je suis un peu gêné, mais du coup, en vrai, ça fait super plaisir d'avoir de la reconnaissance comme ça et tout. Et c'est un t-shirt neuf, hein. Je viens d'enlever l'étiquette. Donc, voilà, encore une fois, un grand merci à ceux qui offrent des chocolats, des t-shirts et tout. Ça fait super plaisir, franchement. Voilà, franchement, je sais un peu à quoi dire parce que de base, moi, c'est ce que je disais, je fais en sorte de vous faire économiser de l'argent. De base, c'est pas pour que vous en dépensiez plus pour moi, sinon ça perdait un peu de son intérêt. Mais comme les gens m'expliquaient, ils ont dit non, mais ça nous fait plaisir de faire ça parce que comme tu nous fais plaisir, on te le rend. Alors, vu comme ça, forcément, c'est vrai que bah c'est super gentil de votre part en tout cas. Du coup, c'est comme ça que j'ai de la reconnaissance et ça prouve encore que quand vous donnez, vous recevez beaucoup plus que si vous étiez malhonnête. Petit aparté, du coup, on reprend la vidéo. À tout de suite. Bon, faites pas attention à mes cheveux. Déborah m'a arrosé en installant le spa. Parce que oui, j'ai pris un spa pour son anniversaire. Parce que comme elle a des problèmes de dos, et bah du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas voir si ça fonctionne. Ça fonctionnait sur ma mère pendant un moment quand elle avait des gros soucis de santé. Du coup, on lui a pris un petit spa, madame. Sauf que le tuyau est parti dans tous Mais les t'as vécu en sens. pleine ville. Et j'ai été arrosé, Mais mais bon. on va pas se plaindre. Alors là, je vous montre. Alors, vous avez bien vu, c'est pas rouge cerise. Donc là, on est sur un rouge métallique. Oui, il ressort orange pendant une semaine, enfin pendant 2-3 jours, le temps qu'il tire, la couleur va changer. Mais c'était juste pour vous montrer. Regardez les beaux petits reflets qu'elle a. Moi, j'aime bien. Je trouve ça stylé. Bon, là, c'était juste pour voir si en mettant une base rouge, le rouge cerise, si elle est avoir un pouvoir recouvrant, enfin, si on allait moins galérer à recouvrir un rouge plutôt qu'un noir. Non. C'est juste pour ça qu'on a fait, on a payé le pot de rouge métallique, c'est pour nous. Je ne facture pas. J'en profite pour faire des tests. Dans tous les cas, le rendu final sera exactement pareil. Mais c'est si ça peut m'aider à savoir qu'en mettant une base rouge, c'est plus simple, ou alors si ça peut vous faire économiser un pot, vous serez bien content de le savoir parce que j'ai fait un test. Alors, on triquite pas, d'accord? Allez, donc voilà, je vous remonte encore un petit peu avec les petits reflets. Je trouve ça bien sympa. Allez, nous, on va mettre le rouge cerise et on vous rejoint tout de suite. Vous allez voir, évidemment, le résultat à la fin. Allez, on bosse un petit peu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce rouge cerise? C'est la première fois qu'on l'a fait. Ça change du noir mat, non? Dis-moi d'ailleurs si ça te change du noir mat. Bon, j'ai déjà rentré la prochaine et là, alors. Ça va être, il y aura beaucoup de spécificités. Malheureusement, c'est pas moi qui vais la terminer. Moi, je vais lui faire la couleur de base, mais le monsieur va faire plein de petites modifs. Elle va être en trois couleurs, c'est-à-dire que la prochaine va être gris anthracite, blanc et rouge. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Là, vous avez aperçu un petit bout pour les plus forts. On verra si vous avez deviné avec le petit bout que vous venez de voir. Il y en a qui vont trouver tout de suite, c'est sûr. Allez, moi, je vais aller profiter du jacuzzi avec des beaux, si et pas trop tard parce qu'il est déjà 19h. Il y a déjà plus de soleil sur la terrasse, mais bon, on verra. Hein. Peut-être qu'il fait encore assez bon pour aller dedans. Hein. Non. Ça fait du bien peut-être de prendre un peu de. Ouais, non, je crois que j'ai la calfeutrée en vrai. Je dis ça, mais je sais pas m'arrêter en fait, c'est ça le problème. Alors je sais que c'est un problème, il y en a beaucoup qui me critiquent sur ça, le fait que je ne sais pas m'arrêter. Mais j'aime bien. Vous avez belle affaire. Je préfère faire une voiture que rester dans un jacuzzi, personnellement. Mais bon, il faut savoir s'arrêter. J'ai envie de passer un petit peu de temps avec Déborah. Elle est tout le temps en train de me dire, t'es jamais avec moi et tout. Je dis, bah si, quand on fait les voitures. Elle l'a pas très très bien pris. Hein. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!